Fumban, chef-lieu de l'arrondissement qui porte le même nom, et du département du Noun, capitale des peuples Bamoun et en même temps cité des arts. Ici, les populations vivent de l'agriculture, des petits commerces et de l'artisanat. Concepteur de la spiriculture et spirigraphe, voilà, et beaucoup de choses encore en plus. Quand on parle art ou culture, et c'est le monde entier, parce que l'art n'a pas de limite. Alors la grâce que nous avons maintenant, c'est de vivre l'inauguration du musée le plus magnétique de la planète Terre. Donc ça nous interpelle. C'est une grande chance pour le peuple Bamoun, le peuple camerounais, le peuple africain, bref, pour toute l'humanité. Sur le plan de la santé, la ville est couverte par un hôpital régional annexe, un centre médical d'arrondissement et des centres de santé intégrés disséminés dans la ville. À ces formations sanitaires publiques s'ajoute l'hôpital du Palais des Rois Bamoun. Dans le domaine de l'éducation, nous avons des écoles de formation telles que le Centre de formation zootechnique et vétérinaire de Fumban, l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, qui est un établissement de l'Université de Tchang ouvert depuis la rentrée universitaire 2009, et le lycée bilingue Sultan Ibrahim Bombondjoué. Sur le plan religieux, la ville de Fumban est un laboratoire de vivre ensemble entre croyants de plusieurs religions. La majorité des Bamoun a été islamisé. Ils sont musulmans. Nous avons une infime minorité chrétienne, mais le vivre ensemble est évident. Vous voyez bien, je suis un notable chrétien, mais j'ai suivi la procession royale qui s'est branlée vers la mosquée. Le roi, il est entré dans la mosquée avec les autres notables musulmans. J'attends ici, j'attends qu'il ait fini sa prière et que je retrouve la procession pour son retour au palais. Donc il y a un vivre ensemble évident, surtout lorsqu'il s'agit du royaume. Lorsqu'il s'agit des traditions, il n'y a vraiment pas de différence, il n'y a vraiment pas de marge. Les gens vivent ensemble, les gens font ensemble ce qu'il y a à faire dans le cadre des traditions Bamoun. En effet, dans cette cité, l'islam, le christianisme et le culte des ancêtres cohabitent depuis plus d'un siècle. Sur le plan artisanal et touristique, l'artisanat est de loin la principale source d'emploi dans la ville de Fumban. C'est une ville qui emploie un nombre élevé de moins jeunes au quotidien. L'artisanat bamoun est réputé au Cameroun et dans le monde entier pour sa qualité et sa longue histoire. De nombreux touristes viennent visiter les nombreux sites touristiques dans la ville. Et moi, j'ai été ravi de participer à cet important événement, à l'inauguration de ce musée qui est un lieu de mémoire, qui est un lieu de partage, qui est un lieu de transmission. Je crois qu'il y a une belle image qui a été utilisée par le sultan qui a rappelé un proverbe qui disait qu'aucun arbre ne peut grandir sans avoir des racines. Et en fait, aucun grand arbre ne peut bâtir sans avoir de profondes racines. Donc l'histoire, pour moi, est quelque chose d'important dans tous les pays, dans toutes les civilisations, partout. Et valoriser cette histoire, notamment pour les jeunes générations, est quelque chose de très fort. Alors c'est quelque chose que nous, l'Union européenne, nous soutenons, nous appuyons. Nous soutenons la route des chefferies avec la France notamment. Nous avons aussi travaillé, nous sommes aussi un des partenaires, un des sponsors de ce musée. Nous en sommes absolument fiers et orgueilleux. Et je crois que c'était vraiment un beau moment de rencontre. Entre la tradition et la modernité, et montrer que cette modernité ne peut pas se construire non plus sans la mémoire. Palais des Rois Bamoun, Hall de la Réunification, le centre artisanal, la porte des tranchées de Fumban. La ville compte deux grands musées. Le musée des arts et de la tradition du quartier artisanal et le musée des Rois Bamoun, où nous allons marquer un temps d'arrêt pour contempler ce joyau architectural dont l'inauguration a été médiatisée et diffusée partout au monde.
Le musée des rois Bamoun est un musée d'art et d'histoire situé à Foumban, dans le département du Noun, à l'ouest Cameroun. Il est consacré à la présentation et à la conservation des objets d'art et d'histoire du royaume, une fédération d'ethnies qui existe depuis plus de 6 siècles. Il est construit à proximité du palais des sultans. Inauguré le 13 avril 2024 par le représentant personnel du chef de l'État, ministre des Arts et de la Culture, son Excellence Ismaël Pierre Bidoumpat. Excellence, distinguées personnalités invitées en vos titres, qualités et rangs respectifs, mesdames et messieurs, avant de continuer mon propos, je voudrais d'abord, à cette tribune, exprimer mes différents remerciements à son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu me désigner pour le représenter à cette cérémonie. À cet effet, à travers le ministère des Arts et de la Culture, j'adresse des félicitations du gouvernement à Sa Majesté Muhammad Nabil Foripum Bongon Djoya, sultan, roi de Bamoun, pour cette impressionnante réalisation. À sa suite, je salue les efforts de contribution du peuple Bamoun au rayonnement de la culture de notre pays depuis des siècles. Par ailleurs, je vous remercie, distinguées personnalités, chers invités, mesdames et messieurs, d'avoir bien voulu honorer par vos présences effectives la cérémonie de ce jour. Preuve de l'intérêt que vous portez aux efforts multiformes consentis par divers intervenants dans notre sous-secteur pour le meilleur rayonnement des arts et de la culture au plan national et international. Excellences, distinguées personnalités invitées, mesdames et messieurs, le président de la République, à travers la très haute impulsion qu'il donne au sous-secteur art et culture, en vue de l'implémentation et la concrétisation des objectifs de la politique culturelle nationale, est un grand protecteur et un grand promoteur des arts et de la culture de notre pays. Le musée des rois est le fruit d'un projet initié par le 19e roi de la dynastie charéenne, le sultan Ibrahim Bongo Djoya, qui succède à son père Sédou Djoumolou Djoya en 1992. Le sultan, soucieux de magnifier son passage au trône tout en marquant au panthéon de l'histoire, a lancé la construction de cette méga structure spectaculaire en 2013. Tout commence par la conception de cette œuvre suivant les armoiries royales, à savoir le double gong qui représente l'appel à la patrie, le deuxième bâtiment qui est le serpent du Céphale, le serpent à deux têtes, qui symbolise la victoire sur deux fronts différents, et l'araignée qui est symbole de la sagesse, de l'ardeur au travail. Celle-ci viendra remplacer l'ancien musée nommé Dangou, signifiant maison du royaume, et qui est situé dans le palais royal. Ce dernier avait été créé par le 17e roi, Ibrahim Djoya, qui fut un grand réformateur, un visionnaire, un mécène des arts. L'ancien musée renferme une panoplie d'objets, témoins de la richesse culturelle, sociale et historique du royaume Bamoun. Cependant, il est devenu trop exigu et insuffisant pour accueillir la production artistique du royaume qui a quintuplé au fil du temps. De plus, une grande réserve d'objets du palais reste toujours loin des regards du public et est menacée de détérioration. Le nouveau musée vise à résoudre ces problèmes et à offrir un espace d'exposition plus moderne, plus spacieux et plus adapté aux normes standards. Il est également pour objectif de promouvoir la culture camerounaise et de pérenniser les valeurs traditionnelles et coutumières du peuple Bamoun.
de la politique culturelle nationale est un grand protecteur et un grand promoteur des arts et de la culture de notre pays. Il y a d'ailleurs quelques années, le 6 novembre 2018, il a bien voulu prendre à nouveau l'engagement de valoriser le patrimoine culturel du Cameroun tel que énuméré dans ses 30 objectifs pour le développement du Cameroun contenu dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire où il a opté de mettre l'accent sur la conservation des traces de l'histoire récente de notre pays. Le musée des rois Bamoul se caractérise par une architecture à la fois symbolique et identitaire, qui reflète la vision lointaine et l'aspiration profonde des rois à préserver la mémoire collective de leur peuple. La forme de ce joyau architectural rappelle les armoiries Bamoul, qui sont composées de trois éléments, le serpent à deux têtes, le gond à double cloche et l'araignée migale. Le serpent à deux têtes représente le double triomphe du roi Mbombo, 11e roi, face à ses ennemis. Le gong à double cloche symbolise la communication qui permet de rassembler tout le peuple quand le besoin se fait ressentir ou quand on veut faire passer un message. Et l'araignée migale évoque le travail acharné et la créativité. Le musée est ainsi conçu comme un ensemble de trois bâtiments circulaires reliés entre eux par des passerelles. Le bâtiment principal, qui abrite l'espace d'exposition permanente, a la forme d'un gond à double cloche, dont les deux parties sont séparées par une coupole vitrée. Le deuxième bâtiment, qui accueille l'espace d'exposition internationale, a la forme d'un serpent enroulé sur lui-même, avec deux têtes qui s'élèvent vers le ciel. Le troisième bâtiment, qui contient la salle des spectacles, a la forme d'une araignée migale, avec huit pattes, qui soutient une coque métallique. Le projet est constitué de plusieurs salles d'exposition totalisant de pratiquement 3000 mètres carrés et le projet lui-même, comme sur l'emprise au sol, fait 1900 mètres carrés. Et le site total, c'est 3555 mètres carrés. Nous y trouvons les bureaux, les salles d'exposition, les expositions permanentes et semi-permanentes, les expositions artisanales. Nous trouvons également des réserves, les bureaux également. Nous avons des salles de conférence. Nous avons des salles de mise en quarantaine et des laboratoires. Comme matériaux utilisés, nous avons fait usage des pierres de campagne, les fers en béton, le bois dur local. Nous avons au niveau des écailles constituées avec les dépôts ciment, avec un revêtement en époxy pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage. L'espace d'exposition permanente, situé dans le bâtiment principal, retrace l'histoire du royaume Bamoul depuis sa fondation au XIVe siècle jusqu'à nos jours, en passant par les grandes périodes de son évolution politique, sociale, économique, religieuse et culturelle. Donc nous sommes là, placés sous Jifonfon, qui est le premier ministre du royaume, pour l'assister et assister par son biais le roi, afin de lui donner tous les avis importants nécessaires pour prendre des décisions. C'est ainsi que nous tranchons sur des problèmes coutumiers, nous tranchons sur des problèmes de famille, sur le problème d'héritage. Et je crois que le peuple Bamoun a une chance. Et il faut que tous les autres comprennent qu'on n'a pas intérêt à perdre une telle chance. Nous avons un royaume, nous avons une royauté. Nous avons une royauté qui est gérée par des coutumes, des traditions. Tous ont intérêt à respecter ces traditions. Tous ont intérêt à être proches de leur monarque, être proches du roi, à respecter tout ce que le roi va leur dicter. C'est pour leur intérêt. Je crois que c'est une des choses les plus importantes que tout Bamoun doit savoir et doit faire. Nous avons donc là un exemple de choses qu'il faut pouvoir
implémenté par tous les Bamoun. Il met également en valeur les personnalités marquantes du royaume telles que le roi Chariène, fondateur de la dynastie en passant par le roi Mbombo, 11e roi redoutable guerrier, le 17e roi Ibrahim Joya, un génial inventeur. On lui doit en particulier l'invention d'une écriture et d'une langue bamoun. Au musée, on trouve ce que chaque roi a fait en son temps. Jumon le Sédou, 18e roi, est celui qui va ouvrir les portes de la Mecque à la communauté bamoun musulmane. Ibrahim Bamoun Joya, 19e roi, quant à lui, traduira le Coran en langue bamoun. Jimolou, qui a, n'est-ce pas, été le premier à visiter la Mecque, parce que le roi Joya était, il nous a convertis à l'islam, l'autre a ouvert la porte de la Mecque, et puis nous avons le roi Ibrahim Bamoun Joya qui a traduit le Coran en bamoun. Donc, ce musée est une véritable histoire imagée du royaume bamoun, de Chariène jusqu'à Nabil Forifumbo Bonjoya. Ce musée bâti sur une superficie de 5000 m² retrace les 600 ans d'histoire des Bamoun à travers une collection de 12 500 pièces. Pour pénétrer dans le musée des rois Bamoun, on passe sous le crochet des gueules béantes d'un gigantesque serpent à deux têtes, clou d'un imposant édifice en forme des armoiries et l'un des plus vieux royaumes d'Afrique subsaharienne. L'inauguration du musée a été l'occasion d'une grande fête populaire avec des milliers de personnes venues de tout le Cameroun pour assister aux festivités. Le sultan roi Mohamed Nabil Forifumbo Bamoun Joya, 32 ans, marque sa joie et surtout son attachement envers son peuple. Je souhaite bonne fête à toutes les personnes qui sont venues. Je peux pas dire que tous les invités, tout est invité. Donc, santé, courage et prospérité à tous les visiteurs, à tous nos visiteurs dans le département. En fait, c'est historique. C'est très historique parce que là, on retrace l'histoire du peuple de Chariène jusqu'au sultan roi des Bamoun, son Nabil Forifumbo. Je manque même les mots, je vais même vous dire que c'est sensationnel. Pour le peuple Bamoun, nous sommes tellement contents, au niveau où on ne sait même pas ce qu'on peut s'exprimer. Mais c'est juste un grand groupe des invités qui sont venus nous assister. Sans vous mentir, les bons moments, mais je souhaite la bienvenue à tous les invités. Capitale historique des Bamoun, la cour d'apparat n'était pas assez vaste pour contenir des milliers de sujets ibado venus de tout le pays, en plus des 2000 invités à la tribune officielle, dignitaires autour de leur roi. Ministres, préfets, diplomates, anciens footballeurs et d'autres rois venus d'ailleurs. Voici la chanson là. Aïe, 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 nous fondierons, aïe. Aïe, 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 nous fondierons. Monsieur Namwa Menjani, le chef de la cellule juridique et du contentieux. Aïe, 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 Anjou wo yi wante njwana Ange mi makembe na Anjou wo yi wante njwana Anfu mi makembe na Anjou wo yi wante njwana Yinu kwe mize na Anjou wo yi wante njwana Yipo kwe pale na Anjou wo yi wante njwana Yinu kwe mize na Anjou wo yi wante njwana Yipo kwe pale na Anjou wo yi wante njwana Anjou wo yi wante njwana Anjou wo yi wante njwana Joyeux anniversaire à toi mon beau palais 100 ans, 100 ans, 100 ans du palais 100 ans, 100 ans, 100 ans du palais 100 ans, 100 ans
Ils ont tous répondu présent à l'appel du 20e roi de la dynastie Charienne. Les notables de ce royaume, vieux de plus de 6 siècles, avaient revêtu leur tenue traditionnelle d'apparat, boubou aux couleurs diverses et coiffé de chicha assortis sans oublier les groupes de danse. Le Cameroun. Le Cameroun compte plus de 200 ethnies aux coutumes et langues différentes, plus de 80 chefferies de premier degré, royaume et sultanat, issus de l'époque précoloniale. L'importance du droit coutumier et le sentiment d'appartenance à ces chefferies demeurent vivaces dans le quotidien des 30 millions d'habitants de ce vaste pays d'Afrique centrale, qu'ils soient restés sur leur terre ou qu'ils aient migré. À la cérémonie, des griots boubou multicolores jouaient du tambour et de longues flûtes traditionnelles, sous des coups de feu tirés à intervalles réguliers pour ponctuer l'arrivée des hôtes de marque, des fusiliers du palais aux boubou et pantalons marrons, puis des princes et princesses, des chefferies bamoun, aux robes jaunes, visages couverts de masques en bois, représentant des animaux, ont exécuté la danse rituelle Nja. Pour le Cameroun, un tel musée dédié à l'histoire d'un royaume est unique par son envergure, tout comme l'engouement autour de son inauguration. C'est l'un des rares royaumes à avoir réussi à exister et rester authentique, malgré la présence des missionnaires, marchands et administrateurs coloniaux. Nous rendons hommage à un roi simultanément gardien et pionnier, une façon pour nous d'être fiers de notre passé, pour construire l'avenir et montrer que l'Afrique n'est pas importatrice de pensées. Une déclaration du 20e roi, Mohamed Nabil Fonri Fumbo Mbondjoya. L'inauguration de ce musée des rois Bamoun revêt une signification toute particulière pour notre culture. En effet, il s'agit pour nous d'être fiers de notre passé pour construire l'avenir. Un avenir que nous voulons empreint de valeurs de paix, d'unité, de cohésion et de développement pour tous. Oui, le musée des rois Bamoun signifie que l'Afrique n'est pas importatrice de pensée, car très tôt et bien longtemps avant la colonisation, le génie des rois et de leur peuple s'est manifesté dans presque tous les domaines. Et vous aurez l'occasion de vous en convaincre vous-même en le visitant. Rendant un vibrant hommage à son arrière-grand-père, 17e roi Ibrahim Djoya.